Coucou, aujourd'hui je vous présente un gâteau à base de meringue qui s'appelle la pavlova, un gâteau moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Voilà, on a besoin seulement de 4 ingrédients que j'ai listés là. Je vais monter mes blancs d'œufs en neige et ensuite rajouter le sucre cuillère par cuillère et m'assurer que le sucre disparaît complètement, qu'il ne soit pas palpable dans les mains. Une fois que le sucre n'est plus palpable, vous ajoutez le féculent de pommes de terre, une cuillère à café ou du maïzena. Ensuite, vous battez à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une meringue bien ferme comme ça, ou qui fait le chapeau. Ensuite, sur la plaque, j'ai tracé un rond et je vais disposer ma meringue tout doucement, faisant attention de ne pas casser la meringue. Et je vais faire un creux à l'intérieur pour pouvoir mettre plus tard ma crème mascarpone et mes fruits. Vous pouvez utiliser la poche d'ouïe pour faire cette forme aussi. J'ai mis dans un four préchauffé à 100 degrés. À 1 heure, après 1 heure, vous laissez le gâteau refroidir à l'intérieur du four. Une fois que le gâteau est complètement refroidi, que vous pouvez le décorer en ajoutant la crème mascarpone et tous les fruits de votre choix que vous voulez. J'ai ajouté tous mes fruits là et j'ai ajouté un peu de graines de pistache. J'ai voulu mettre du sirop, mais qui était un peu épais, donc j'ai abandonné le sirop. Et voilà, c'était trop trop bon. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, surtout liker la vidéo là. Cliquez sur la vidéo.